Salut Philippe, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai fait une petite intro, donc voilà et tout. Je sais pas si elle est bien, mais voilà. Voilà, dites-moi si elle est bien en commentaire, si vous aimez bien les petites intros comme ça. Donc voilà. Donc, comme j'ai pu le voir dans le titre, donc c'est un top ou flop de Noël. Donc, comme on est à Noël, voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas un rapport de haine, mais voilà. C'est un top flop, il y a du maquillage. Et d'autres trucs en fait, voilà. Ouais, vous allez comprendre tout direct. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, ça, c'est par donc, le plus gros truc que j'ai. Donc, voilà. Donc, c'est un lisseur. Donc, voilà. De la marque Babylips. Babylips. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est un lisseur tout court. Il fait pas de boucle celui-là. Et je sais qu'avec un lisseur, on peut faire des boucles. Voilà. Donc, c'est un lisseur à peu près normal. Donc, voilà. Il est bien. Vous savez, il y a les deux lames là. Il y a les trucs pour régler, donc pour allumer et puis pour régler. Il est très bien. Moi, je l'aime bien. Ça fait assez longtemps quand même que je l'ai. Je sais pas si on peut encore l'acheter. Voilà. Je pense que si, mais voilà. Donc voilà, il est vraiment super bien. Moi, je l'adore. Enfin, il lisse bien. Et moi, en fait, en ce moment, j'utilise pour ben, me lisser les cheveux, comme j'ai les cheveux plus courts et tout ça. Donc. Donc voilà pour le lisseur. Et c'était un flop. Un top, pardon. C'était un vrai top. Ensuite, ben, donc là, c'est bah, après ça, c'est presque que après du maquillage. Donc là, c'est donc un accessoire ben, de maquillage. Donc c'est des cotons, vous savez, les cotons ben, pour se démaquiller. J'utilise, enfin, vous allez voir un peu pourquoi j'utilise. Donc ils sont vraiment nuls. Enfin, c'est les pires cotons, je crois qu'ils existent. Je ne les aime pas du tout, donc c'est de la marque Velvera Cosmétique. C'est trop nul. Aussi, je l'ai payé 1 € ou 50 centimes, un truc comme ça. C'est nul. J'ai acheté à 1000 stocks, donc c'était vraiment nul. Enfin, les cotons sont nuls, enfin, ils sont pas super bien, vraiment. Puis en fait, vous savez, ils sont trop. En fait, ils sont tout. Déjà, ils sont. Enfin, je sais pas trop comment dire, ils sont tout. Tout voilà quoi. Alors moi, je les aime pas du tout. J'utilise parce qu'il faut les utiliser et tout ça pour pas les gâcher. Mais vraiment, dès que je peux, je m'en rachète direct d'autres. Car là, c'est une catastrophe. Donc, c'est un vrai flop. Là, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Ensuite, donc là, par contre, sérum. J'ai pas fait mes favoris d'ailleurs ce mois-ci, mais c'est que. Voilà, j'avais pas trop envie de les faire. J'ai pas envie de faire des vidéos que je n'ai pas envie de vous faire carrément. Donc voilà. Donc c'est un mascara. Donc c'est le Rocket Volume Express. Le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Donc voilà, il est vraiment super bien. C'est mon. Par exemple, si j'aurais fait favori, il serait direct dans les favoris celui-là. Ça fait trois. Ça allait faire 3 fois que je le mettais dans mes favoris. Il est vraiment super génial. Je l'adore, je pense vraiment tous les jours. C'est vraiment une bombe ce mascara. Il ne fait pas du tout de paquet. Il est vraiment super bien. Je ne pourrais pas vous dire combien il coûte car je ne me rappelle plus du tout. Je l'avais acheté pendant les vacances. Mais voilà. Voilà. Donc c'est un vrai top. Je sais pas pourquoi après je dis toujours vrai top. C'est top, voilà. Donc ensuite c'est un baume à lèvres de chez EOS, EOS, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça vous en voilà. C'est un petit œuf si vous connaissez pas. C'est chez Anno, c'est chez Né. Oui, on reprend. Donc il provient de chez Nocibé. Donc voilà, j'ai quand même utilisé. Vous voyez quand même, normalement ça fait une boule comme ça. Ça fait un dôme, vous comprenez quoi. Donc voilà, il est vraiment super bien. Moi, ici on a fraise. Il y a plusieurs goûts. Il y a fraise, il y a vanille, il y a fruits rouges, il y a. Fruits de la passion, fruits exotiques. Enfin bref, voilà, il y a plein d'autres sortes. En plein, il y en a 5 autres. Ou, non, 4 autres avec celui-là. Donc voilà comment il est. Donc ça, c'est un top vraiment magnifique. Ensuite, là, j'étais vraiment hyper déçue par ce mascara que j'ai acheté aussi donc, au même endroit que les cotons. Donc voilà, en fait, ça provient tous du même magasin. Enfin, par exemple. Les cotons, ils peuvent provenir, je sais pas, moi, de chez Monoprix. Et ça provient, je crois, de chez U, mais après, c'était mis stock.
Voilà. Donc c'est un mascara, donc c'est le Great Lash. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà. Et je vais vous dire donc mon avis. Donc c'est nul. Nul. Il est vraiment pourri. Je n'aime pas du tout. Si on a qui aime, je voilà. Mais je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout la brosse. Elle est comme ceci. Voilà. Là, vous voyez bien. Ça fait sur mon front. Vous voyez bien. Elle est minuscule la brosse. C'est vraiment le truc le plus. Voilà. On aurait dit même carrément un mascara à sourcils. Ouais, bref. Voilà. Je n'aime pas du tout. Mais il est vraiment nul. C'est un gros flop. J'ai utilisé une fois, mais je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais peut-être le donner à quelqu'un ou tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, qui l'aime bien. Enfin, pour moi, en fait, enfin, même si j'ai des petits cils, en fait, mes cils sont trop grands pour ce mascara. Ça, vous voyez, il faut que je presse vraiment un milliard de fois pour que tous mes cils soient bien recouverts. Enfin, qu'avec le Rocket Volume, il est vraiment super bien. Un petit coup comme ça, enfin, deux, trois petits coups, et c'est bon. Il y a du mascara sur tous mes cils. Que celui-là, on prend 15 ans à en mettre. Donc, c'est un vrai. C'est un flop. Arrête de dire flop, Anaïs. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec un masque. Donc, voilà, que j'ai testé il y a pas super longtemps. Donc, je testé il y a une semaine, je crois. Oui, dimanche dernier. Voilà, donc. Ma petite oreille qui ressort. Bref. Voilà, donc, c'est un masque. Voilà, c'est un masque. House Natural du Maroc. Je viens de chez la marque Kae. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc il est bien. Il est très bien. Voilà, sauf qu'il est un peu chiant à enlever par contre. Voilà. C'est une amie à moi qui me l'a offert. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà. Sur son chaîne en barre d'infos. Donc voilà. Donc il est bien. Et voilà. Après, ça vous fait à moitié la peau verte kaki. Donc, si vous avez des envies d'avoir la peau verte kaki. Donc, voilà. Donc, après, votre peau. Enfin, il y a moins de. D'imperfections. Bah, votre peau est beaucoup plus douce et tout ça. Moi, par contre, moi, je vais pas me les faire, par exemple, toutes les semaines ou. Je vais peut-être le faire une fois dans le mois. Car après, ma peau, comme elle est. Elle est fragile, elle est sensible. Et ben voilà, j'ai la peau directement toute rouge. Après, je me suis vite mis de la crème hydratante car voilà, j'avais la peau toute rouge. Mais sinon, c'est un vrai top. Arrête de dire vrai, ça m'énerve. Ensuite, donc c'est un nettoyant, enfin un désincrustant. Voilà, c'est une lotion si vous préférez. Les bulles. Donc voilà. Donc c'est. J'avais mis plusieurs fois dans mes favoris. Donc c'est un désincrustant point noir, notion nettoyante. Donc voilà, il est très bien. Ça fait hyper longtemps que je l'ai en plus. Ça ne se vide pas beaucoup. Je suis à la moitié en fait. C'est normal, il y a 200 ml. Donc ah, c'est 12 mois qu'il faut le garder, pas plus. Enfin bref, voilà, il est vraiment super bien. Voilà, il est bien. Donc c'est top. Ensuite, donc ça c'est une palette de maquillage. Donc voilà, de chez Black Show Haze. Truc là, je sais pas quoi. Enfin bref, en fait c'est juste que ça provient de chez Jiffy. C'est une palette à laquelle je me maquille presque tous les matins avec, enfin non peut-être pas tous les matins car voilà, bref, que je me maquille avec, et elle est vraiment super bien, mais par contre c'est vraiment un gros flop, elle est nulle. Je me disais, oh mais elle est trop classe et tout, enfin je la trouve trop jolie, mais en vrai les fards sont jolis, enfin non, enfin la texture des fards et tout ça est vraiment pas bien. Je vais vous montrer le pinceau. Bon, voilà. Voilà le pinceau avec un fard. C'est vraiment horrible. Bon voilà. C'est très nul. Donc je n'aime pas du tout cette palette. C'est un gros flop. Enfin voilà, les fards sont pas super génial. Bon voilà, vous voyez les fards comme ceci. Donc ça c'est plus foncé. Enfin voilà, ils sont pas super bien. Moi j'aime pas trop. Enfin, ils recouvrent pas du tout la paupière. Enfin, j'aime pas. Je n'aime point. Un flop. Ensuite, donc ça c'est encore un flop, mais je dois quand même l'utiliser. Enfin, en fait, je sais pas si en fait c'est un flop, car elle est bien, mais voilà. Donc en fait, c'est une bébé crème, donc de chez Garnier. J'ai pas trop d'avis en fait dessus, car elle est bien, mais elle est nulle. Car en fait, je trouve qu'elle me. À cause de ça, je trouve que j'ai plus de boutons que d'habitude.
Voilà, mais sinon elle recouvre bien. Mais voilà. Donc vous voyez ma galération. Par contre, j'aime pas trop le système là qu'il faut faire. Enfin, j'aime pas trop le système, vous voyez. Ça fait un gros truc, vous savez, où il y a de la crème pour les mains, vous voyez. Petit peu de crème pour les mains. Enfin bref, voilà. Donc j'aime pas trop. Avant, j'avais un truc où il fallait tourner et après vous mettez et après vous refermez. C'était plus facile que ça, c'est chiant. Ça me saoule. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un mi-top, mi-flotte. Vous voyez? Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est le dernier produit. Donc, oh punaise, ma vidéo va dire 10 minutes. Bref, donc c'est un rouge à lèvres. Donc j'adore, mais un truc de malade mental. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez C'est ou moi. Donc les marques à bas prix. Donc il est magnifique. Il est trop, trop, trop joli. Je fais un petit swatch. Voilà. Il est magnifique. Je le trouve vraiment super joli. Donc voilà. Je l'applique presque tous les matins. Par contre, avant, je vous dis direct, je me mets direct du. Enfin, je me mets du baume à lèvres EOS avant de mettre ça. Car après, ce rouge à lèvres, par contre, me sèche les lèvres. Donc voilà. Je vous conseille de le. De comment ça s'appelle? De le. De mettre un baume à lèvres. Et c'est la teinte donc fondant rose numéro 09. Donc voilà. Vous devez être saoulé de mais donc voilà, vrai flop. Et ça c'est un top. Hein. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Voilà. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos pour me. Voilà. Et si vous aussi vous n'aimez pas ces cotons, voilà, tous les trucs que je n'aime pas. Ou ouais. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Abonnez-vous. Donc voilà. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Donc je ne sais pas, mercredi ou samedi. Je ne sais point du tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.